Yo les potes Staser, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que là je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos les potes. Mais il faut savoir que là je vais commencer un peu à bouger vu que c'est les vacances les gars. Donc là aujourd'hui je serai pas là toute la journée, bientôt je vais être pas là toute la journée. Après je vais partir pendant quelques jours, donc voilà, donc je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo de toute façon. Donc voilà les gars, donc j'aurai pas forcément le temps pour faire des vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que pas beaucoup d'abonnés m'ont demandé mais que je trouvais intéressant à faire. C'est tout simplement présentation de mes stats Black Ops 3. Alors voilà. Alors si cette vidéo les potes atteint les 5 likes encore les gars, si on a les 5 likes sur cette vidéo, je vous referai je vous remonte mes stats, mais sur un autre compte à moi, IamNoobV2, que j'ai créé il y a pas longtemps, et je vous en ferai aussi. Donc les gars, on va commencer tout d'abord par les classes, ok? Donc les classes, donc voilà, je suis sur mon compte Frédéric 33. Alors j'ai une première classe à l'Argus, les gars. Donc un petit Argus, charge rapide, tir rapide, poignard go cross. Avec ma tactique pillard, gilet par balle, c'est les trois atouts que vous verrez tout le temps. C'est quoi ça? Voilà. Donc j'utilise cette classe en général pour les petites maps telles que Nuketown, etc. Quand tout simplement, voilà. Puis il faut savoir que ça, je la gère bien. Après en deuxième classe, j'ai une petite M8 à 7 que vous connaissez très bien vu que j'en ai fait une classe setup. Donc M8, Elo, balle blindée, chargeur rapide, tir rapide et gros calibre. Avec gilet par balle pierre comme d'hab. Après en troisième classe les gars, j'ai une petite classe studio Locus car j'aime bien jouer au snipe. Donc viseur thermique, chargeur rapide, tir rapide, rien de plus. Un petit RK5. Tiens hop, on va juste faire ça. Un petit RK5 en secondaire avec un petit gros calibre RK5. Une petite flash que j'utilise presque jamais. Gilet par balle, main leste et masse tactique. En quatrième classe, c'est une arme de pute. Ouais, voilà, les deux armes de pute que j'ai. Donc la VMP que vous connaissez aussi, tir rapide, chargeur rapide, cross, poignée. Gilet par balle, masse tactique et pillard. Et j'ai une petite classe dingo. Oh là là, elle fait mal celle-là, putain. Hein, ça fait mal de vous la montrer. Hein. Donc, réflexe, poignard go, poignée et cross. Et le plus pudent de tout ça, c'est que je suis en train de monter les accessoires sur cette dingo. C'est comme vous pouvez le voir. Viseur, j'ai pas tout. Et accessoires, j'ai pas tout. Mais je tiens à vous dire que j'utilise vraiment cette classe en cas d'extrême urgence. Voilà, donc vous avez mes classes. Donc, au passage, je suis niveau 55. Dans les spécialistes que j'utilise, de toute façon on verra après, mais là en ce moment j'utilise l'armure cinétique parce qu'en ce moment je suis en full rush dans les spawns. Et en série de points j'utilise le drone, la tourelle blindée et le hater. Qu'est-ce que tu veux que je te montre dans le marché noir? Voilà, récent si vous voulez. Et voilà, donc maintenant on va passer tout simplement au stade tout simplement. Alors identité, hein, j'ai pas tellement truc à vous montrer. Peut-être mes cartes visite si vous voulez savoir. Voilà, ça tout le monde les a. En multi ce que j'ai, voilà à peu près. Voilà, j'ai un peu basique. Faut savoir que je travaille pas du tout ça. Hein. J'ai fait complètement au pif. Voilà, vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. En zombie, expert et marché noir, voilà. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps. Défi les gars, je vais faire un on s'en fout. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est la caserne. Donc on va commencer, non pas par la campagne, on a rien à foutre. On va commencer par le zombie. Alors zombie, qui est tout simplement un mode que je joue presque jamais. Donc tout simplement, j'ai 26 968 total d'élimination, 1169 manches survécues, manches en moyenne 10. Donc tu vois, je prestige un niveau 31. Donc voilà. J'ai 6186 tirs dans la tête, 54 corps par minute, voilà, 135 750 scores partie en moyenne. Et j'ai un jour de jeu 17h40, voilà. Voilà, donc arme la plus mortelle, Dracon, ICR1, Manoir.
Les Gobblegum plus utilisent des coups d'épée et mes meilleures manches. Attention, on va rigoler. Manche 29, 27, 19, 19, 18, 14, 11, 6, 3. Voilà. Voilà. Mais là qui va nous le plus intéresser, ça va être en multijoueur, les potes. Donc c'est parti. Donc dans mon petit rapport de combat, on a un petit 38 547 kills, 588 victoires. Ok. Deux. Bon, le score, vous le voyez, hein, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire. Ouais. 2.05 de ratio, élimination mort, 0.70 victoire défaite. Faut savoir que je joue pas du tout les objectifs dans les games. 576 de score par minute. Et j'ai 5 jours, 9 heures, 35 minutes et 12 secondes. Alors, qu'est-ce que je vous fais en premier? Bon, on va vous faire les médailles. Alors, les médailles, bon, je vais vous montrer les plus importantes. 12 exterminations, 14 nucléaires, 25 brutales, 29 invincibles, 51 implacables, 412 sans pitié, 2111 sanguinaires. Et elle est où la petite médaille impie? 136 impie, voilà. Donc vous voyez que j'ai failli pas mal de nucléaire. Et qu'est-ce que je voulais aussi c'est pas extermination. Voilà, chaîne des limes, j'en ai deux. Voilà. Après bon, ça je pense que vous en foutez un peu. Donc une fois qu'on est là en public, bah, c'est la même, il y a juste quelques kills de plus. Armes les plus mortelles. Donc moi je joue Emita 7 Manoir VMP et PPSH, tiens. Voilà. Donc M8 surtout, hein, on peut le voir, et je viens de voir que le P06 il est pas si mal sur ce compte, hein. Ouais, il est vraiment pas si mal. En spécialiste, les gars, j'utilise la tempête, comme vous pouvez voir, que vous connaissez tous sur mes lives à mon avis. Renégat, arme synthétique et un peu purée, on peut le voir ici. En équipement les plus mortels, C4, et regardez, flash à la 1552 utilisé. J'ai un peu honte, hein. J'ai clairement honte. Voilà, aveuglé, tué 53, utilisé 1500. Mais le C4 quand même reste. Apparemment pas mal aussi, mais bon, voilà. Et en série de points, donc Hater 427. Phantom 285, Raps 22. Faut savoir, hein, pour toutes les personnes qui se demanderaient, faut savoir que j'ai fait beaucoup de nouveaux départs sur ce compte. Donc là, c'est pas 427 utilisateurs, haters utilisés depuis la sortie du jeu. Hein. Non, là, c'est depuis ce restart du compte. Donc ça fait à peu près 4 mois. Donc vous voyez, en 4 mois, quand même 427. Sinon, à la base, j'avais 4000 haters, je crois, sortis. Hein. Non, un peu moins. Mais... Voilà, les gars. Donc on part, c'est le mec. Et mode de jeu, bah je joue particulièrement en MME en domi, c'est tout. Voilà, un peu plus de voilà. Donc voilà les gars, donc vous avez tout simplement les gars à peu près mon rapport de combat. Donc voilà, donc si vous êtes sage, non, allez les gars, si on attend vraiment les 5 là, je vous ferai une autre où je vais montrer mes stats sur un autre compte à moi, comme je dis, qui s'appelle I am Noob V2. Voilà, donc un compte qui est aussi bien chargé. Hein. Hein, on a un petit, je crois, 2.37 de ratio, un truc comme ça. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une série sur ma chaîne en live sur le compte I am Noob V2. Tout simplement, je vais faire roi de tout mettre prestige et voilà, ok. Bon, bref, sur ce, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, ça me ferait énormément plaisir. À tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour essayer d'atteindre les 320 abonnés, ça serait cool, les gars. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser, les potes. C'était Taser. Ciao, les gars.